Ah bah voilà, ça marche. Je D'accord. pense que c'est bon. Amis d'aller du Strip de League, bonsoir. C'est Taiki. Et je suis accompagné aujourd'hui de Pierre. Salut. Salut. Donc aujourd'hui, on va tester un jeu un peu particulier. Bon, là, je sens que je sens un peu grincer des dents, là, quand même. Non, mais je te remercie. Je te remercie. C'est vrai que... Non, je pensais que t'allais choisir un autre jeu, quoi. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, My Little Pony, pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire, il faut... Il me déteste. Un peu, je dois avouer que j'avais une réputation à tenir. En tout cas, je félicite pour le choix des personnages. Bah ouais, alors pour préciser, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, en fait c'est un jeu qui devait être sur l'univers de My Little Pony. Et le jeu n'a pas été fini, alors que... Enfin, il n'a pas été fini, il est jouable, hein, il est jouable. Mais c'est-à-dire que le rajout de certains trucs, comme le rajout de personnages secondaires, tout ça, ça n'a pas pu être finalisé. Parce que Hasbro a interdit le développement de ce... Enfin, littéralement interdit le développement de ce jeu, a carrément... Et du coup, le développement a carrément été suspendu, mais les créateurs de ce jeu sont actuellement en train de plancher sur le développement d'un autre jeu de combat. Et d'ailleurs, le character design de ce prochain jeu de combat est fait justement par Lauren Faust. Qui s'est occupé du chara-design des personnages de MLP. D'accord, ok. Non mais, tu me fais jouer un My Little Pony à moitié fini, c'est... On voit le respect que tu me portes. Non, mais c'est pas mal, c'est... Allez, donc... Bouffe mon respect. Ouais. J'ai un peu mal à la fierté. Ok. Alors, bah du coup, je suis un peu dans l'expectative, je... ouais, parce que toi t'as pas vu la série. Moi, ça fait à peu près un an que je me la bouffe, donc ça va quoi, ouais, mais... Ouais, non mais, faut pas reconnaître ce genre de choses. Il y a des choses qui se cachent. Alors... Non, très très bien. Moi je vais prendre elle, parce que elle a l'air un peu plus badass que les autres. Ouais, donc ouais. Je pense qu'il y a moyen que je gagne avec ça. Ouais. À part la crête arc-en-ciel, tout va bien, ouais. Ouais, mais bon, ouais, mais c'est dans le regard, c'est une gagnante, je le vois. J'ai mangé tout cru, tu sais pas ce que je vais te faire là, j'ai tout. Allez, moi je sais pas, est-ce que je prends l'intello? En même temps, ça correspond bien au personnage de Taki Sensei, j'ai envie de ouais, te dire. Ouais, ouais, non, pas trop mal. Allez. Donc, elle, c'est l'intello que j'essaie de. Et moi, du coup, c'est quoi ce que j'ai là? En fait, Twilight Sparkle, c'est l'élément de la magie. Ouais. Elle étudie tous les bouquins, ouais. Elle vit littéralement dans une bibliothèque, elle potasse tous les bouquins. Et elle, en fait, c'est un peu la sportive du lot. Rainbow Dash, c'est un peu la sportive du lot. C'est bien. C'est la nana qui aime bien se surpasser, qui est un peu présomptueuse, donc je trouve que ça correspond bien à ton caractère. Espèce de salaud. Allez, lance le jeu là. Je vais te faire regretter ces paroles. Alors, allez, je vais te passer dans ma propre bibliothèque, c'est parti. Ah ouais, d'accord. On combat sur ton territoire en plus, c'est le genre. Tu préférais dans le tien? Allez! Parce que les gens qui nous regardent vont pouvoir voir que j'ai un skill de merde. Vont pouvoir constater à quel point. Ah, quoique. Non, je t'ai dans. Ah, je viens de faire un truc, je sais pas si c'était moi ou pas. Mais... Alors là, alors pour ceux qui regardent là, je suis en train d'appuyer de manière totalement random et en fait ça marche pas. Ne brise pas la magie, fais croire que t'as un skill de fou. Allez. Tout est calculé. Je vais croire que je suis mort. D'ailleurs, big up à lui. Ouais, ça l'a enfermé, t'as vu. Hey, c'est pas mal. Je crois que je suis en train de te massacrer là, non? Mais. Par contre, je me fais taper par un bouquin. Enfin, voilà, ça du mépris un peu quand même. Bouffe ma littérature. Non, ça va. Là, je souille un peu ton. Les lunettes, je me fous un peu de ta gueule, c'est pas mal. Oula. J'avoue. J'essaie de voir si on peut faire des. Bouffe mon indifférence. Allez, sérieux. Mais pourquoi ça m'a bouquiné en plein combat celle-là? Elle est chaud, elle est jeune. Ah, j'ai pas vu, elle a lu.
Ah bah, elle lit. Ah ouais, c'est pas mal. Genre, c'est la maline en plus, quoi. C'est ça. Je me fais poutre à la gueule, mais je lis leur craft, tu sais. Ouh, j'ai fait un enchaînement là, il était pas mal. Putain, je suis en train de me faire défoncer. Mais pourquoi elle, quand on l'a en intelligence artificielle, elle est putain de puissante, et quand c'est moi qui la dirige, elle est nulle. J'ai peut-être une réponse, mais ça va pas te plaire. Je crois que... Ouh. Bon bah voilà, je suis assez content parce que me faire battre par mon petit frère à My Little Pony, je pense que ça aurait brisé quelque chose. J'avoue. Bonjour les petits fous. Qui l'a payé un... Je sais pas qui c'est. C'est qui? C'est Legba? Asgris? Quelqu'un? Présente-toi, jeune homme. Très joli pseudo. Facile à prononcer. Je sais même pas comment ça se prononce. Attends, c'est... Qui l'a payé un... Oui. Qui l'a payé une? Je pense. Qui l'a payé une? J'espère ne pas saccager son pseudo. C'est un aztèque? Je sais pas, en fait. Oh non. Non, t'as pas le droit, ce genre de vanne. Bon, on fait la revanche, et cette fois, on fait sur mon terrain. Parce qu'elle a l'air pas mal, ce perso. J'ai peur que les autres soient un peu... À ce qui paraît, paradoxalement, elle... Attends, ouais. Elle, là. Ouais. Et elle est puissante. Vous avez entendu ce qu'on a dit. Avec son petit lapin, là. Ouais. Alors, je me tâte à prendre le rose, mais je peux pas. Allez, je vais prendre le Little Pony rose, je pense que... Ouais. Moi, je vais prendre la campagnarde. Allez, hop. C'est Applejack, c'est celle qui bosse dans la ferme du coin. D'accord. Elle a un accent, tu sais, dans la version originale, elle a un accent texan à couper au couteau, et dans la version française, elle fait Mamselle Cocotte. En fait, ils ont remplacé pour ça, c'est pourquoi. Ils auraient pu lui donner un petit accent marseillais, tu vois, un accent du terroir. Pourquoi marseillais mais parce Marseille, que... c'est pas tellement la campagne, tu m'excuseras, mais. Un accent du sud. Oui, mais comme le préjugé à la. Tu sais, comme la Vénétie de Mérimée, les sudistes, c'est les campagnards, les trous du cul, les parisiens, c'est les petits richissimes, tu vois. Rentre un peu dans ce cliché-là. D'accord. Au moins, ça rappelle quelque chose, alors que dire Mamselle et Cocotte, je vois pas l'intérêt. Ouais, d'accord. Okay. Donc si tu veux qu'on t'attaque sur ton territoire, bah c'est là. C'est là le territoire de Pinkie Pie. Ah, il sent la défaite ce territoire, mais vas-y, c'est pas mal. ça sent déjà pas la loose mon personnage, je pense que j'ai eu du flair là-dessus. Attends, ta cousine. Ah, mais oui en plus, oui. Sandra? Ah ok, salut. Attends. Qu'est-ce qu'il s'est fait avec son... Allez, t'es sérieux. Oh putain. Elle fait des trucs. Pourquoi elle devient toute verte? Allez! Et c'est con parce qu'on a testé le jeu juste avant le live et tu m'as battu. Et là devant tout le monde. Tu es en train de me poutrer la gueule! Allez! Allez! Attends, mais ce serait bien qu'elle te vise. Au moment de vise, elle lance la croco tout pourri. C'est Gummy. Oui, je connais la série. Oui, je sais. C'est un sacré déshonneur. Non, si j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Ah, t'es pas loin quand même. Hein. Non. Déshonneur, non, ça. Allez. Ah, ça, c'est la pro du low kick, en fait. D'accord. Elle utilise ça pour faire tomber les pommes de son jardin. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est un excellent entraînement, hein, tu veux dire. Les pommes, quand même. Elle cueille les pommes parce que ça s'appelle Applejack, faut pas déconner non plus. C'est une tarte aux pommes. D'accord, ok, c'est pas mal. Regarde la série. Comment j'ai fait pour devenir ballon de bâton? Tu sautes, tu appuies sur A, je crois. C'est sûr. Mais c'est quand même. J'avoue! C'est quand même du. Beau souillage en règle, la petite danse des. Allez! Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle monte son berche? Attends! T'arrives à me poutrer la gueule avec une langue? Bah écoute, on fait avec ce qu'on a. Et donc elle, c'est l'élément de l'amusement. Pinkie Pie. Ah bah c'est vrai qu'on s'amuse. Parce qu'en fait chaque poney a un élément. Et là par exemple celui que j'ai normalement c'est l'élément de l'honnêteté. D'accord. Ça me correspond pas trop, je sais. Non, puis le personnage transpire pas trop l'honnêteté comme ça, mais... Si, c'est l'honnêteté vraiment. C'est l'honnêteté, ouais. D'accord. Regarde la série, tu verras.
Non, ça va aller. Déjà, je joue au jeu, c'est déjà pas mal. Qui a un jeu non officiel d'ailleurs, alors bon. Ah ouais, en plus. Et voilà. Petite danse. Elle est quand même foutrement ridicule cette danse. Je vais pas faire de peine, ça gâche un peu ma victoire, je tiens. Alors, qui c'est que je prends maintenant? Je vais pas prendre celle au livre. Et donc celle que je prends, c'est quoi? Elle représente quoi? En fait, c'est l'élément de la générosité. La générosité? D'accord. Ça me correspond tellement. Et c'est un peu la couturière qui fait tout le temps des trucs raffinés là. Ah d'accord. Oui, c'est vraiment ça dans le sac. D'accord. Attends, on va tenter celle-là, j'ai envie. D'accord. Ouais, bah vas-y. C'est l'élément de la gentillesse. Gentillesse. Ok. C'est le lapin qui fait ça. Pourquoi elle recule? D'accord. Je ne comprends pas. Parce que c'est une trouillarde. Ouais, non, non. Ouais. Je comprends que quand tu vois pas la série, c'est un peu. Ouais, je comprends. Ouais. Attends, on va. Pas vraiment génial. LOL, ça joue à MLP. Je vais partir aussi vite que je suis venu. Taiki, coucou quand même, Taiki. C'est yo-yo de fou. Salut, Johan. Ah non, mais sur le jeu, je ne peux pas le contredire. À ta gueule. C'est d'accord, comprends que. Sur mon terrain ou sur. Non, prends le tien. Mon de toute façon, que ce soit le tien ou le mien, visiblement, je suis parti pour gagner. Par contre, si personne. Et tu peux en débloquer certains quand même ou il y en a vraiment que 6? Je sais. Faudrait essayer. Je sais que Mord avait fini le jeu. Faudrait que je lui demande. Attends, j'arrive à te foutre des coups avec un lapin. Oh, tout à l'heure, je te mettais des coups avec une langue, donc on est plus à ça près quoi. Quand même, c'est vachement mieux travaillé au niveau des animations. Ah, j'allais le dire. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Tu ne sais pas reconnaître la qualité du véritable jeu. Ça a quand même pas mal. Je sais pas si c'est mon PC qui fait ça en fait. Si tu veux mon. Oh putain, non, mais c'est vrai. Jeu pas fini. Ouais. En fait, je crois que c'est la couturière qui me bat pas parce que tout à l'heure, je crois que tu m'as battu. Alors que j'avais ce personnage. En fait, oui, elle est assez puissante. La cette archaïque. Hey. Bouf, mon ami. Allez. Tu fais quand même fait battre par Fluttershy, je sais. Ouais, non, mais ça va, remue pas Coulto dans la plaie, s'il te plaît. J'ai bien remarqué que j'avais perdu. Quand. Regarde quand elle recule. Ouais, non, mais j'ai eu ça. En plus, ouais. Alors, je me fais battre par quelqu'un qui a les poids directs. Qui. Enfin, quelqu'un qui quoi? Bah, ton perso, il. Ça a l'air d'être. C'est pas la. Ouais, voilà. J'ai fait un truc qui pouvait être bon, mais c'est pas aller jusqu'au bout. Ah, mais t'es sérieux, tu spams. Tu veux mon lapin? Tu veux mon lapin? Ah, je veux que tu me foutes la paix. Putain, c'est serré. Tiens à dire quand même que mes victoires étaient quand même plus glorieuses. J'avoue, te fais par Fluttershy. Non! Mets-la des coups! Mets-la des coups! Allez! J'ai quand même eu un peu peur. Ah, c'est vrai que ça valait le coup de me couper la parole. Fallait surtout pas louper ça. Non, je sais pas. T'as fait une. Et je vois qu'il y a des jauges en bas là. C'est ouais. Quoi ces jauges? Tu sais? J'ai pas. Justement, j'ai pas suffisamment testé le jeu pour savoir en fait. D'accord. Que c'est des jauges d'attaque. Je pense qu'il y a des coups spéciaux à faire, non? Ok, tu me fous un gros rouleau dans la gueule. Ok, t'as décidé de me spammer comme une grosse pute. Attends, c'est toi qui parles. T'as un petit coup de moi spammer? Que dalle. Je veux juste te passer mon lapin.
Ouais, c'est ça. Allez, il est sérieux. Il est agressif, il est la peigne. Quand même, elle est quand même assez dégueulasse, elle envoie son propre lapin dans les tranchées, quoi. Enfin, c'est My Little Pony, c'est... Attends. Ouais, voilà. Ah, quand tu spammes plus de suite... Non, sérieux. Juste en faisant comme ça, en se cachant les yeux comme ça, en mode... Ouais, non mais je vois. Je t'ai... Attends, je vais juste en profiter pour regarder. Coucou, c'était Général, par rapport à la vidéo magnifiquement doublée que tu m'avais envoyée l'autre jour. Hein? J'ai l'impression que c'est une private joke. Ouais, juste... Parce que là, enfin moi personnellement je comprends pas trop la référence, mais toi normalement tu dois la comprendre. La vidéo magnifiquement doublée. Je crois qu'il parle de ton apparition dans le spécial Elder Scrolls. Ah d'accord, ok. Peut-être. C'est vrai que j'ai participé à mon émission de merde. J'allais pas dire ça en plus. de suite. Non, oh, t'aurais été capable de faire la blague. Hein. Non, c'est. Vas-y, comment tu me fais passer pour un seul. Bah, je vais prendre le lapin du coup parce que. Ouais, non, mais. Quand je pense, je me suis fait battre par ça, quoi. C'est vrai qu'avec 6 personnes, on est un peu limité. Ah, bah, ouais. Allez, fuck you, Hasbro. Mais parce que je vois qu'il y en a. Il y en a 4 qui apparaissent. Donc, est-ce que ceux-là, on peut les débloquer ou pas? Peut-être, je sais pas. Oh là, comment tu me déçois, je pensais que t'allais m'apporter une réponse. Zéro quoi, tu me laisses dans le flou total. Exactement. Bon bah choisis ton perso là. Je suis spécialiste en rétro, monsieur. Ouais. On avait remarqué. Alors, je sais pas, il y a un bouton aléatoire. What the fuck? Ok. Attends, c'est quoi ce perso là? Ah mais c'est le même que tout à l'heure avec le bouquin, seulement elle a changé de couleur, c'est ça? C'est ça, j'ai appuyé sur Y et en fait ça change de couleur. T'as vu, je commence à devenir un pro, je reconnais les personnages. Respecte à regarder la série maintenant. Non, mais je te dis, t'y arriveras pas là, c'est mort. V des attaques B, connasse. Ça commence pas à être grossier. Mange mon livre de Lovecraft dans la gueule. Mais qui te dit que c'est Lovecraft? Je sais pas, j'aurais pu dire Lovecraft, comme j'aurais pu dire J.K. Rowling, comme j'aurais pu D'accord, dire, mais je pensais que c'était dans la série. Ouf! En fait, je sais pas qu'elle serait. Ah, pourquoi j'ai une belette sur le terrain? Parce qu'en fait, c'est une amoureuse des animaux. D'accord. Ah, le lapin. Et puis, c'est vachement utile cette belette. C'est quoi ça? C'est genre. Non, mais genre. Je fais le mort! Attaque inutile. C'est ça! C'est un peu le trompette de Magikarp. Allez! Ah, ça fait quoi là? C'est chiant, hein? Attends. Ah non, c'est bon, il peut pas commenter. Je regarde juste. Des fois qu'il y a pas des connards qui viennent me spammer. Oh. Ah, ça aurait pu être super stylé ça, mais je n'ai pas touché. Oh! Allez! Ah, sérieux? Tu noteras que quand je gagne. C'est beaucoup plus écrasant quand même. Ah, le personnage inutile est revenu, ma belette. Non, je suis content qu'elle vienne sur le terrain parce que ça change la donne. Hein. Tu remarqueras quand elle est là, c'est pas le même combat. C'est genre, ouais, c'est le même combat, mais il y a une belette. Et elle reste là. Et c'est super stylé. Non, mais c'est... sans la belette, j'aurais perdu, je pense. Elle t'a déstabilisé. En fait, cette belette, c'est Chuck Norris, tu sais. Je pense, ça détend ton attention. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi y a-t-il une belette sur le terrain? Ok.
Allez, c'est parti. Je sais pas, y'a pas un bouton random là. Tiens, bah, je vais reprendre. Ah ouais, Rainbow Dash. Oh, vise the accent, par favor. Je le random. Random, t'es un fou, tu sais pas ce que tu fais. Vas-y, sur ma gueule. Ah! C'est parce que j'ai pas la belette. Reviens petite belette, j'ai besoin de toi. L'ennemi doit se dire. Tu vois, rien que le fait de parler de la belette, hein, ça t'a complètement perturbé. Hein. J'ai repris le dessus sur le combat. Avec ton low kick dévastateur. Non mais, il faut que l'ennemi se dise, mais qui est donc cette belette? Oh non, il va faire appel à la belette. Dangereuse belette. Faudrait surtout pas qu'elle vienne sur le terrain, on risque de se faire battre. Oh putain, il est énorme ce live. J'ai bien fait de t'inviter. Sérieux? Ah non non, mais c'est tout. C'est le fait de parler de la belle, je te dis, ça te perturbe complètement. C'est fini. Fais-moi un Sonic Rainbow, Rainbow Dash. Oui, je parle en langage de Brony. Donc Brony, c'est les fans de... Oui. Et il n'y avait pas d'autres termes pour désigner, parce que Brony... C'est une contraction de bro et de pony, Brony. D'accord. Oui, ça ressemble au nom des gâteaux au chocolat. Non, mais c'est pas... Tiens, attends, parce que tu vois, je te parle, mais... Voilà. Tu comprends ce que j'ai ressenti quand t'as parlé de la belette? Non, mais c'est pas le même... Tiens, ouais. Mais en fait, c'est une mode Shaolin, en fait. J'aurais fait de la boxe taille. Oh, l'intensité du combat. Allez. La tension est presque palpable. Ah ouais, on ressent. Est-ce qu'il, est-ce qu'il va faire appel à la bled? Attention. Osera-t-il? Le fourbe. Vous... Ah non. Putain, j'étais pas là en plus hein. Non, non, c'est pour ça. C'était le coup qui faisait la différence. Ouais, c'est ça. C'est souvent le cas. Pourquoi t'es nuit? Ah, c'est parce que ça permet un changement. T'as très peu de décor, mais vu que tu changes la météo, ça te donne l'impression qu'il y en a plein. Allez. Allez. Je sais que tu peux faire des combos. Fais-moi un combo. S'il te plaît, monsieur, dessine-moi un combo. Ah, c'est tellement faible ce que je fais. Allez, hop. Ah, t'es à fond, espèce de salaud. Tu parles plus, là, tu t'es rapproché de l'écran. Attends, c'est moi. Ah non, ouais. Quand tu vois la bien sûr, on dirait qu'elle met ta tête sur l'entrejambe. Ah. Oh, c'est quoi ça? Bah, là, le lag t'a été favorable quand même. Parce que j'avais le dessus. Enfin, quand on voit ma barre de vie, je suis pas sûr d'avoir eu le dessus au moins. Allez, souillage. C'est plus la même chose quand il y a plus de belette. Ah, ouais. Mais elle reviendra bientôt. Je veux pas trop spoiler, mais il pourrait y avoir un retour de la belette éminente. Ou alors, peut-être que c'est un mensonge. Allez. Mette l'escarrette. A-t-elle vraiment existé cette belette? Ou est-ce une légende? On ne sait pas vraiment. On est quand même en train de taper un triple d'une belette. Ok, d'accord. Non, il veut pas t'expliquer. En fait. Bon bah va te faire foutre, Johan. Ah bah super sympa le gars. On voit que tu sais recevoir en tout cas. Et je crois bien que j'ai pris tous les personnages. C'est... Pourtant je pensais qu'on en verrait pas le bout, il y en a tellement. Moi je me suis dit on fera jamais le tour. Ah salaud. Ouais non, je crois que j'ai... Ouais, je vais te dire franchement, je vais reprendre le perso belette. Comment ça se planque? Non mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ce belette. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses mais... Genre elle pourrait rester là, rien faire, ouais. Regarder le combat et dire « Regarde-moi, Rousseff !» Ouais non, et non mais... Tu es là.
Tu oses me défier, salope. Allez. En plus, on a plein qui me disent qu'elle me correspond. Celle-là ? Ouais. Je sais pas si c'est vraiment un compliment pour toi. Tiens ! C'est moi qui dirige. C'est moi qui ai le contrôle. You have the control. Yeah. Allez hop. Salaud, tu recules pour mieux attaquer. Ah merde, j'ai oublié que je contrôle Pinkie Pie. Ah depuis tout à l'heure tu me fous une... Oh, putain, t'as pas le droit de dire ça. Ah, je te bats depuis tout à l'heure, je sais même pas ce que je suis en train de faire. Ah, voilà. Pelette. Non, reviens. Elle est restée que très peu de temps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si tu restes aussi peu longtemps? Ah, ça aurait pu être le tournant du combat. En plus, maintenant que tu sais quel personnage tu diriges, ça va être beaucoup plus compliqué. Putain, depuis tout à l'heure, il me fait... Je te jure, j'avais totalement oublié. Oui, mais c'est vrai, n'insiste pas. Mais j'ai en train de spammer comme un gros porc, je joue pas normalement, là. Mais arrête. Dis pas des choses comme ça. Ah, il y a un paquet. Après la balette, le paquet. Ouais, mais le paquet, il est pas de moi. Putain, il est chaud. Le paquet n'a pas d'âme. Ouais, alors que la balette... C'est ça. C'est assez flagrant à quel point elle a une âme. Mais c'est... Putain, elle laisse tomber. Mais oui, mais elle est restée. Je pense que j'ai perdu la confiance de. Oh. Et tu noteras quand même que ma belette est plus classe que ton croco qui louche. Hein. Bon, ça t'empêche pas de me poutrer, mais quand même, c'est pas le même style. Hein. J'en veux plus. Ouais, mais tu utilises des armes à feu, je suis pas sûr que ce soit conventionnel. J'avoue. Un summum de l'humiliation, je me fais un canon qui me balance au pot de fleurs. On dirait sérieux Sam. Allez. Oh, j'ai perdu la voix du skill. Juste avec un pauvre gant de baseball. C'est pas un gant de baseball, hein, c'est un gant de supporter. Ah, ouais, je crois bien. Ouais, j'aurais préféré le gant de baseball. Oh, allez. Comment j'ai fait ce combo de la mort qui tue là? Non mais arrête de... Putain, puis alors là, j'y arrive à rien. Mais oui, mais... Voilà. En fait, elle est assez efficace, Pinkie Pie. Facile de dire ça quand tu gagnes. Ah bah allez, ça y est, je me concentre. Tu vois, la différence est palpable. Quand je me concentre... Ah, voilà. Je vais revenir. C'est comme dans tous les films de combat. Je reviendrai. Je reviendrai. Tu sais, dans les nanars de ninja là. Ouais. Je reviendrai. Allez, mon corps est vivant et mort, mais pas mon âme. Je reviendrai. Et ton croco qui louche pour la fin. Salut les geeks, la belette, ça c'est l'hyponyme de compète. Tu vois, mais tout le monde la réclame, cette belette. Mais t'as qu'à l'activer, putain. Bah oui, mais attends. Attends, c'est pas moi qui décide. Qui est elle vient toute seule. Présente-toi, Tatouk. Présente-toi, Tatouk. Je ne sais pas qui je tu es. Je ne pensais Tatouk. Pas qu'un jour tu prononcerais cette phrase. Présente-toi, Tatouk. On ne l'entend qu'une seule fois dans sa vie. Je reprends ce personnage parce que je veux vraiment la belette. Là, j'ai perdu une fois, je pense, à la belette. Mais elle va revenir. Je crois en elle. Et t'as vu quand même. Pour le chargement, c'est ton croco qui douche quand même. Je me demande pourquoi ils l'ont pris lui, parce qu'il y a pas moins de charisme que dans ce personnage. Ah, ça y est, j'ai retrouvé 3. Oh putain, mais ce live est énorme. En fait, j'ai vraiment bien fait de t'inviter. Hein. Bon, tu regrettes un peu le choix du jeu, mais t'inquiète pas, on fera un autre jeu la prochaine fois. Ouais, GTA. Oh, on va te faire foutre. Non, t'as pas le droit, Alec, pas déjà fait la vanne. Attends, parce que du coup je me déconcentre. Attends, tu t'es déconcentré depuis tout à l'heure, tu me lattes alors que j'ai Rainbow Dash. Là. Oh, enfin c'est Rainbow Dash quoi. Mais super classe Rainbow Dash. Ouais, mais moi
Je suis la reine des belettes. Ça fait toute la différence. Mais elle y est la belette dans le dessin animé ou... En fait, il y a tous les. En fait, on la voit, mais en personnage de background, c'est-à-dire que. C'était la fin de combat la plus pourrie que j'ai jamais vue. C'était tellement merdique. Mais en fait, ouais. La belette, en fait, tu vois tous les animaux, en fait, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de tous ces animaux, du coup, tu vois tellement d'animaux que la belette, tu la vois pas. Et t'as vu, elle se fait discrète, hein, elle se fait désirer, hein. C'est ça. Et bah, la belette, là, elle est pas venue depuis 3 combats, elle veut plus, hein. C'est ses adversaires. Ouais. Ils sont beaucoup trop craignos. Je ne peux pas. Je dois la laisser à cette archaille. Ouais, c'est... Elle intervient quand le combat a du style. Elle est pas prête de revenir. C'est ça. Vu ce que j'ai en face. Ah, tu me diras. Vu ce que je suis en train de... Voilà. Allez. Sérieux. Je vais te dire à moi. Tu m'as abandonné. Voilà. Allez. Mais qu'est-ce que tu... Voilà. Oh, allez. Vas-y. Non. Je ne peux pas perdre face à elle. Ah non, si je perds devant la belette, ce sera fini. T'oses plus attaquer depuis qu'il y a la belette quand même. T'as les points, mon salaud. Je vois la belette. Elle est trop irrésistible. Ah non, putain, j'ai perdu. Ah! Salut Pierre. C'est moi, Pierre. Non, mais y a deux Pierres, tu sais. Non, y en a qu'un seul. L'unique, le vrai, c'est moi. Non, allez! Toi, t'es Marcel One. Donc Pierre et Sandra regardent le live. C'est cool. Et bah, bonjour à vous. Et je suis en train de me faire poutrer la gueule par un lapin. Ah, regarde, c'est de mon côté. Ah, la belette! Allez! Ah, ce combat est tendu! La tension est palpable! Mais est-ce que ce monde est sérieux? Au diable, Tekken et Street Fighter! Il y a le jeu de combat My Little Pony! À mort sur le calibre! Toi aussi, viens t'amuser avec My Little Pony! Bute des gens avec des lapins et des belettes! Ah ouais, j'ai gagné. Ça y est, l'honneur est sauf. Oh mais je ne sais quel personnage choisir. Il y en a tellement. Que faire? Vais-je prendre celle-là que j'ai pris environ 150 000 fois? Ou un autre que j'ai usé jusqu'à la moelle? J'hésite, je me tâte. Allez, je me lâche. Oh putain. La prochaine fois, un jeu avec plus de choix quand même, je te prie. Un Blaze Blue. Ah non, en fait c'est encore pire. Non, s'il te plaît, pas Blaze Blue. Bon allez, choisis. J'hésite, quel perso on est en train... On dit le personnage de la belette est interdit parce que c'est de la triche. Ouais, c'est ça. Il est surcheaté ce personnage, on peut pas. Rien que pour la belette. Mais non. Mais je te réinvite, toi, j'en ai un. Ça sera plus cher la prochaine fois, maintenant que je sais. Je te préviens. Ah. Gentil petit croco. Ah mais du coup, t'as croco qui louche. Celui-là aussi, il est cheaté. Allez. Je ne me laisserai pas. Ah, vas-y, tu sors du terrain. Je suis pas sûr que ce soit réglementaire, ça. Faudra parler à la confédération de My Little Pony, mais t'as fait quelque chose de pas très top, hein. La sortie de terrain comme ça. Déjà que les armes à feu, je suis pas certain, mais alors là. T'arrives plus à jouer, tu me poutres bien la gueule pour un mec qui arrive plus à jouer. J'appuie sur n'importe quelle touche de manière random. Mais c'est ce que je fais depuis le début du jeu, depuis qu'on a commencé à jouer à ce jeu. Moi je connais pas les commandes par cœur. Ah, de nouveau! Tricherie! Et l'arbitre, il dit rien du tout! Oh, je tiens de l'arbitre!
à tous les coups de ce putain de gros con qui louche. C'est ça, c'est lui l'arbitre, il a rien vu, il louche tellement le bougre. Allez, mais... Oh putain, j'ai mal au bide. Attends, j'ai fait un truc à la Superman là. Ah, tu voulais. Ah, putain. T'aimes bien les poires? Ça, c'est vraiment souillé. Oh, le souillage à l'extrême. Là, t'es un canon, un coup de poire dans la tronche. Là. À la limite, tu utilises des vraies munitions. Comment ce sera stylé quoi? Genre un balle chemisée métal, tu ouais. sais. D'un K47. Bon, bah, c'était un peu facile ce combat. J'ai pas connu. Ah, tiens, c'est tellement facile, je mets les lunettes et je te tourne le dos quoi. J'avoue. Ha! De nouveau, le moment compliqué, ardu. C'est cool que ça peut t'amener parce que ils auraient pu mettre d'autres personnages comme un peu Gnome, Sweetie Belle, Scootaloo. Et je dis que Sweetie Belle manque. Hein. Darpy est comme Darpy Hooves. Darpy Hooves. En fait, c'est un personnage qui est connu pour loucher en fait. Comme le croco? C'est ça, ouais. D'accord. En fait, c'est un personnage. En fait, pour te expliquer l'anecdote, c'est un personnage de background qu'on voyait comme ça, un personnage de background. Et en fait, comme c'est, il y avait une erreur de dessinateur, en fait, le dessinateur s'est gouré et il l'a fait loucher sans faire exprès. Alors, du coup, c'est devenu. Les gens le remarquaient et du coup, il y a carrément une grosse communauté de fans de Derpy, du coup, ils l'ont remployé dans la série. Oui. Voilà. Et bah, cette anecdote était fort passionnante. Vous aussi retrouvez toutes les anecdotes de Taki Sensei sur un double DVD. Taki Sensei. Non, mais voilà, je suis content d'en avoir appris. Attends deux secondes. C'est Pierrot, go, Marcel Wann, vise les yeux, Voilà, c'est un bon. C'est bien, ouais, faut viser les yeux. Mais je vais prendre Madame Croco alors. Madame Croco. La Christina Cordula, la campagnarde, l'intello. Ah, Christina Cordula, ouais, ça va bien celui-là, ouais, je trouve. Parce que t'es tout le temps, oh ma chérie. Alors, ah coup, ouais, moi, d'accord. Ma chérie, ça fait penser. Un gros raccourci raciste, tu sais. Allez, feu, choisis. Y'a pas un mode aléatoire? Ah bah, enfin ça What the fuck is that? Mode aléatoire sur 6 joueurs, ça va, c'est pas... Je pense que tu peux sélectionner. Putain, c'est vraiment ridicule ce petit crocodile là. C'est jeu pas terminé. Ouais, non, mais déjà rien que pour ça, ça sent la... Allez. Attends, tu vas quand même niquer la gueule avec deux cupcakes et un peu de fleurs. Allez, viens. Ouh. Ouh, il t'a souillé le croco. J'avoue. Ah, j'ai pété le canon, merde. En plus, il utilise du matos de merde. Qu'est-ce que c'est, ce canon qui pète au bout du tir? Moi, tu me diras, il tire quand même des cupcakes. Bon. Parce qu'en fait, PewDiePie, il adore les cupcakes. Ah. Cette anecdote était fort passionnante. Non, mais je te dis, double DVD, bientôt disponible. Double DVD sur Amazon. C'est ça. Toutes les anecdotes. Sur Amazon, eBay, Prince Minister. C'est ça. Retrouvez tous les DVD sur le bon coin, ils ont été revendus par des mecs qui ont été saoulés. Allez. Ouais, mais j'ai plus le canon aussi. Attends, j'ai vraiment te frapper l'intro, genre, je sais pas comment. Oui, une petite blague salace de temps en temps, ça fait pas de mal. Ouais. Mais d'ailleurs. Ah, j'ai oublié que je dirigeais Rainbow Dash. Hein? J'avais oublié que je dirigeais Rainbow Dash. Et alors? Ah oui, d'accord. Ah oui, donc seulement les plus arc-en-ciel, quoi, c'est ça? Je l'ai pas reconnu. Tellement bien camouflé. Non, c'est pas ça, j'ai cru que je dirigeais PewDiePie pendant un moment. J'ai gouré de perso. Allez, mais arrête! Ah, salaud! Comment tu spam comme un bâtard? Allez, là, au kick! Allez! Moi, je fuis comme un. Ah, mais y'a du temps, merde! Ah! Flûte! Ouais, mais sans canon, je peux plus rien faire. Je te tourne le dos. Je tiens quand même à dire, tu t'es fait suivre par le croco qui louche. Hein. J'avoue! Il t'a mis à terre. C'est encore moins prestigieux que la belette. Allez, tiens! Tu vois que c'est de la triche, les armes à feu là. Par contre, moi j'arrive pas à faire les sorties de terre. Ah oh! Ah, je t'ai fait une prise de 4 là. Allez, souillage. Voilà, ça t'apprendra. Allez! Voilà. Tiens, des cadeaux. C'est complètement con de tirer des cadeaux d'ailleurs. C'est genre le papier aluminium va te faire très très mal. Je te fais violence avec du papier. Ah! Cadeau.
Ah, la tricherie. Ah, c'est bon d'être de ce côté-là de la ligne. Allez, catch. Baptiste à bombe. C'est ça. En fait, c'est The Rock. Pourquoi elle sort une ombrelle? Bah, c'est pour se protéger. Ce qui indique la puissance des coups, parce qu'une simple ombrelle suffit à parer le coup. ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Souillage. C'est ça. C'est vraiment... Là, j'arrête ton coup avec cette ombrelle ridicule. Et du coup, elles sont censées vivre où elle, je dis elle, mais... Ouais, dans quel pays je suppose qu'il y a... C'est Ponyville. Ah, ils sont foulés pour le nom, c'est bien. Vous avez vu ça? Enfin, l'univers, il y a plusieurs pays. Donc, il y a Ponyville, il y a Cloudsdale, c'est là où vivent les Pégases, donc ceux comme Rainbow Dash, tu vois. D'accord. Et Ponyville, il y a Cloudsdale, il y a... Manhattan. Manhattan, ouais, c'est ça. Maine, parce que Maine. Ouais, mais ça va. D'accord. C'est un mot anglais pour dire, je crois, enfin, en rapport avec les ponies féminins. Ponyville, Cloudsdale, Manhattan, il y a Philadelphia. Oh putain, sérieux. Il y a. Attends. Et ils ont fait un brainstorming pour trouver les noms des villes quand même. C'est ça, ouais. Ah, viens, on fait des noms qui ressemblent aux villes américaines mais différemment. Oh, c'est génial, Gérard. Tu t'es tellement foulé le râteau sur ce coup-là. Et ensuite, Alfred, j'ai pensé. Nobel sort de ce corps. J'ai pensé à un autre truc qu'on pourrait faire intervenir, une belette et un alligator qui louche. L'alligator franchement... qui louche pour accompagner un poney rose. Ah ouais, mais c'est une putain d'idée, Gérard. Sans toi, le jeu serait différent. Tu as sauvé la licence à toi tout seul. Attends, je suis en train de jouer avec le micro, avec mon pied. Je pense que ça doit être extrêmement désagréable de l'autre côté. Ah, j'étais en train de... Qui? Oh non, putain. Au niveau du temps, quoi. Ah, oh, je suis tout saoulé de la vie, quoi. Pourtant, attends. J'avais utilisé le croco. Attends, c'est un crocodile, les coins, genre, on perdrait tout son charme. Non, ouais, c'est vrai que ça perdrait carrément son charme. Ça amène une touche de ridicule supplémentaire. Est-ce que ce jeu en avait besoin? Là est la question. Oh putain. Allez, moi j'ai un autre combat. Un dernier combat, et je pense qu'on va s'arrêter parce qu'il est quand même 56. Ouais, quand même. Et puis, bon, c'est dommage. On aurait mis le temps d'essayer plus de personnages. Je pense que c'est un jeu qui nécessite encore bien 3 heures. Ne serait-ce que pour en prendre les touches pour les 6 persos. C'est ça. Non, c'est... Un dernier combat, et après... Je sais qu'on avait dit plus, mais je pense que je vais reprendre Dumbelette. Dumbelette. Moi, je pense qu'il faut faire un combat Dumbelette Croco qui louche. Je sais pas toi. Parti. Allez. En plus, c'est la même doubleuse qui fait les deux persos. Encore une fois, une anecdote merveilleuse. Merci, professeur, c'est des trucs. C'était génial. Je tu sais, c'est merci, professeur, c'est des trucs. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ce temps de chargement, du coup, a quelque chose. Moi, il me touche. Du coup, je... Ah, mais quand elle recule, elle fait... On a l'impression qu'elle craint ce qu'il y a derrière. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Allez. Oh, putain. Mais ouais... Ah non! Croco! Recule vite! Non! Que vais-je devenir? Ah non! Souillé par le croco! Déjà que ton perso donne des coups de langue, en plus je me fais souiller par le croco, quoi. Ah. Je te lèche la gueule. Et maintenant on sait que le croco, c'est comme ça qu'on va savoir si le croco l'emporte sur la belette. C'est comment l'acheter la belette? Putain, attends, je t'ai pas usé de vie là. Attends, non, ça le fait pas. Ah non, mais non. Le son est tellement sale en plus. Ah, c'est tellement moche. En plus, t'as un regard pervers quand tu fais ça. Allez, viens dans mon Lully. Allez, approche-toi. Viens, viens plus près. J'ai un crocodile à te présenter. Il est tout doux. Tu veux des bonbons? Viens dans mon van. Ton lapin peut venir si tu le souhaites. Moi, je ramène mon crocodile.
par contre, je refuse que ta belette vienne. Elle me fait peur et elle m'intrigue à la fois. C'est énorme. Ah, merci belette. Tu es arrivé trop tard. Mais ah non, c'est une main. J'ai cru qu'elle tenait quelque chose dans sa bouche. Non, elle a un truc dans la bouche. La belette. Oui. Non, c'est ses moustaches. Ah, mais dis-moi, elle a été designée. C'est merveilleux. Déjà, elle est pixelisée à mort, la belette. Tu noteras. Putain, mais tu fais chier avec tes canons là. Allez. Oh, le souillac. Non. Il est de retour. Ah, j'ai esquivé le croco qui louche. C'est peut-être le tournant du match. Ah putain, je me fais poutrer. Non, je peux pas finir sur une défaite. Allez, en plus, c'est une sortie de terrain. Oh putain, ce live est énorme. Il est encore mieux que mon live sur Monster Girl Quest. Allez. Fut. Ah non, je peux pas finir sur une défaite. Non. Non. Ah. Fut. Allez, le dernier. Ah non. En plus. Oh, quelle horreur, cette fin était indigne. Ah non, le croco m'a carrément marché sur ma dépouille. Mais c'est quoi cette horreur? C'est vraiment une fin de live pourrie, quoi. Je me fais poutrer la gueule par mon petit frère, et en plus je me fais souiller par le crocodile. T'avais tout prévu, c'est ça? C'est exact. Bon bah... Bon bah, ce live est terminé, on a quand même tenu une heure sur un jeu avec une belette, un crocodile. Voilà, et 6 personnages. Et 6 personnages qui se foutent sur la gueule et tous voilà. Colorés en couleur pastel. Bon bah, voilà, donc non, ah non, c'était... mais blague à part, bon jeu de combat ou pas? Ah. Non, mais pas fini surtout, on le voit carrément, donc du coup, c'est vrai que on reste un peu sur sa fin. Maintenant, je... Voilà, je pense que je suis pas touché par l'univers, donc du coup c'est vrai que voilà, mais ouais. Non, ça va, c'est rigolo. Ouais. Heureusement qu'il y avait le croco et la belette, c'est pense. Ça, ouais. Ça. C'est en fait le Deus Ex Machina du jeu. C'est ça exactement. Pas le lapin, on le déteste tous. Non, le lapin, bah il est inutile. Regarde, il est derrière ce personnage, il sert foutrement à rien. Quoi, c'est ça. Donc voilà, bon bah ce live est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, donc je vous invite à visiter ma chaîne, Taiki Sensei, si vous voulez voir mes chroniques 8ème art, ou les lives en rediff, ce live sera en rediff d'ailleurs, histoire que vous puissiez bien voir à quel point j'ai souillé mon grand frère. C'est bien de le préciser. C'est ça, ouais, donc je vous invite à voir ma chaîne, également la chaîne de Marcel One, la série qui ouais, a été, la chaîne qui a été, enfin la série co-écrite, co-réalisée. Il faut préciser, sinon je vais me faire engueuler. C'est sûr, tu vas te faire engueuler par Tristan et Max. Ouais, non, il faut préciser. Co-scénarisée, co-réalisée, et avec Pierre de Marin, ici présent, qui joue le rôle de Marcel, et c'est une web-série vachement marrante. Le premier épisode est disponible, à quand épisode 2 la question. Mystère, je laisse planer le suspense. L'attention est palpable. C'est ça, voilà. Donc voilà, on vous invite à voir ces deux chaînes, et on vous dit à la prochaine pour un prochain live. De toute façon, je crois qu'un de ces jours, je vais être invité parce que c'était vachement énorme. Bah, avec plaisir. Mais avec pas de MLP cette fois-ci. Oui, non, s'il te plaît. Moi, je propose GTA 5. Il faut... Non, ça, tout un GTA. Tout sauf GTA. Non, hors de question. D'accord. Je ne supporte... En fait, je suis pas scatophile, j'aime pas toucher la merde. C'est pas beau. Je suis sûr qu'il y aura moyen de rigoler. Mais bon, d'accord. Mais je viendrai avec plaisir. Ok. Voilà, c'est tout. Et c'est moi qui vous dis, c'est Taiki Sensei qui vous dit. Non, non, je fais un pléonasme. Oh, la fin pourrie. Le bégaiement, tout y était. Ça rattrape un peu mon souillage. C'est ça. Voilà, les deux, on est souillés. C'est Taiki Sensei qui vous dit, continuez à jouer à des jeux et au revoir. Salut. On va arrêter.